it, do it, do it, do it, do it, do it, do it. Do it, do it, do it, do it, do it, do it, très. Do it, do it, do it, do it, do it, très, très. Do it, do it, do it, do it, très, très, très. Do it, do it, do it, très, 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 très. Do it, do it, très, 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 très. Et à 12 éléments, pas jusqu'à 12, repartis 3 par 3, et même deux chiffres viennent ensemble deux fois. Et on a un groupe 5, 8, 11, un autre groupe 2, 4, 9, un autre groupe 1, 6, 10, 3, 7, 12, hop, entre ces 3 fois, ces 4 fois 3 chiffres, on a tous les 12. Mais avec les autres carreaux, il y a aussi toujours tous les 12 chiffres. Je peux expliquer ça un peu mieux avec Mais il y a des autres morceaux que j'ai vraiment appris. Ce dessin est devenu un morceau pour orgue. 11, 4, 6. Il y a 55 groupes de 4 notes. Et avec ces 55 accords, 55 groupes, j'ai fait toute la musique pour orgue. Un morceau de 25 minutes. C'est musique mathématique, mais ce n'est pas compliqué. Ça coule très facilement. Parfois, il y a un accord, il y a un prochain accord qui est presque pareil, un prochain accord qui est presque pareil, presque mathématiquement calculé pour qu'il y ait juste une note qui change avec chaque nouvel accord. C'est parce que j'aime le rythme de la répétition. C'est parce que j'aime le rythme de la répétition. La musique se fait tout seul. La musique sort de la logique mathématique. Ça me plaît beaucoup d'écrire comme ça. Je dis souvent que je ne veux pas composer la musique, je veux le trouver. Et je le trouve surtout dans les premières formations mathématiques. De la répétition, c'est parce que j'aime le rythme de la répétition.